chance. Les rancards pourris qui s'éternisent, c'est fini. Tu as 5 rendez-vous. Si le premier est nul, tu n'as qu'à dire « Next ». Arrête le cauchemar et recommence avec quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas pour ceux que tu élimines. Ils toucheront de l'argent pour chaque minute passée avec toi. Celui ou celle qui restera jusqu'au bout aura le choix. Avoir un autre rendez-vous ou partir avec la cagnotte. Attention à ce que tu dis ou tu risques de dégager. Salut, Saphir, 23 ans. On dit souvent que mon prénom fait penser à une pierre précieuse. Mais attention, pierre précieuse rime avec menthe religieuse. De plus, je suis scorpion, qui s'y frotte, s'y pique. Moi, ce que je recherche, c'est un mec qui ne m'étouffe pas, mais qui sache résister à mon venin. Donc, si cet homme existe et qu'il est dur comme un roc, je saurai gravir sa tour de Pise. Alors, messieurs, vous êtes prêts? Moi, je vous attends. Et vous avez plutôt intérêt à être... caliente. Et voici les garçons. Paris, 22 ans. Ne vous fiez pas à ma couleur, ma blondeur est la preuve de mon intelligence. Seb, 22 ans. J'ai deux atouts. Mes yeux, mes fesses. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, tu prendras les deux. Jamais, 25 ans. Ce qu'on kiffe chez moi, c'est mes lèvres. Mais ce qu'on préfère, c'est ce qui est caché. Jérôme, 19 ans. Il y a 4 garçons dans le bus qui ont des atouts. Mais pour ma part, moi, c'est le regard. Antoine, 21 ans. J'adore la création. Et pour toi, j'ai créé le monde dont tu as toujours rêvé. Les garçons jouent les durs dans le bus. Saphir cherche un roc, mais il est prêt à tailler dans la pierre. Attention, ça risque de faire des dégâts. Mes chances de mon côté, les gars. Hein, ça n'est pas vrai, espoir quand tu le tiens. Tu connais pas encore Paris, chérie. C'est la pire. C'est la pire, tout à fait. C'est celle dont je me méfie le moins. Mais en fait, j'ai envie d'en profiter, qu'il me fasse passer un bon moment. Qu'il fasse faire des activités. Ouais, qui me plaisent, quoi. Ah, ouais, non, mais c'est activités qui me plaisent. Bon, ah, ça... La seule qui puisse te plaire, c'est à quatre pattes. Ah, elle est pas mal, celle-ci. Elle est vraiment très bonne, mais non. Paris, c'est le premier. Et comme Saphir, il aimerait être une pierre précieuse. Mais les quatre autres espèrent qu'il sera transformé en pierre tombale par un next. Putain, il faut s'attendre à tout. C'est la surprise. Mais tu vas faire surprise. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Rien du tout. De toute façon, c'est moi qui parle le premier. Bonne chance. Paris a 22 ans et il emmène toujours son maillot de bain lors d'un premier rendez-vous. Il a déjà tout quitté par amour et il hurle quand il voit une araignée. Salut. Saphir. Salut. Alors dis-moi. Oui. Tu serais prêt à quoi pour me séduire? Ouais, je vais pas dire à tout, mais je sais pas, partager un petit moment sympa. Mais déjà, j'aimerais bien que tu me fasses un strip, en fait. Un strip? Ouais, je préfère faire ça dans l'intimité. Mais y'a que moi et toi, là. Oui, mais bon. Faut pas faire le timide. Je fais pas de strip. Hein. Je vais devoir te dire next. Pas de soucis. Next. Ciao. C'est dommage, il me plaisait, mais s'il veut que du cul, il a bien fait de choisir quelqu'un d'autre. Alors déjà que je suis pas fan des blonds, alors me retrouver avec Paris Hilton en fin de carrière, c'est pas trop ma tasse de thé, non. Contrairement à la ville, Paris n'est pas une lumière. C'est au tour de Seb de tenter d'éblouir Saphir. Mais même pas, il a vu que sa mèche, tu vois, des cheveux sortir du car comme ça. Ah, j'ai rien dit. Seb, alors, c'est toi. Ça va? Bah alors, je vais aller voir, ça va être bon. Ouais, bon courage. En tout cas, je suis sûr qu'il va se faire un excité. Je m'étonne avec ses cheveux pleins de superman. Je sais pas ce qu'il a fait ce matin, mais c'est la bonne idée. Seb a 22 ans. On le surnomme Bugs Bunny. Il collectionne tout ce qui touche aux dauphins et il rit comme le Joker. Next. Alors là, je pense qu'on a atteint le summum de l'immoralité. C'est pas que j'ai peur des films d'épouvante, mais en le voyant descendre du bus, j'ai eu l'impression de me retrouver face à Chucky. Et donc voilà quoi, ça le fait pas. Seb n'a pas eu le temps d'en placer une, à jamais d'y aller. Ah, bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Stevie, tu
te l'avais dit, ça passera pas. Il t'a demandé pas. Non, ça va être à moi. Bon, bah les gars, bah, bonne vous êtes pas prêts de me revoir. Bon, bah, tout de suite. On va le revoir plus vite que prévu. Jamais à 25 ans, il a une peur bleue des serpents, il ne sort jamais sans capote et il adore imiter les gens qui dansent en boîte. Salut. Ouais, pas mal. Et toi aussi. Salut. Jamais enchanté. Saphir. Alors dis-moi, oui. Tu es de où comme ça là? Je suis de Montpellier, mais ça fait pas longtemps que je suis sur Montpellier, il y a à peu près un mois ou deux. Ok, bah écoute, je te réserve une petite surprise, tout le monde va me suivre. Ok. Allez, on y va. Je te suis. Moi, il m'a demandé carrément, quoi. Il m'a dit qu'est-ce que t'aimerais faire pour me séduire. Je lui ai dit, je sais pas ce que tu préfères, quoi, pour être séduit. Il me dit un striptease. Ah non, mais là, ça va pas être possible, carrément. Un striptease, mais il est malade. Alors, je lui ai dit, s'il veut du cul, mais il choisit un de vous, quoi. Je sais pas si apparemment vous avez l'air hyper open. Bah, elle est ouverte. Ça va? Moi, je regarde, elle est ouverte. Attends, je suis de partout, c'est clair. Comment il s'appelle celui qui est sorti? Ouais, Jamie. Mais lui, alors. Non, il va y rester, moi. Saphir emmène Jamais sur un parcours dans les arbres. Réussira-t-il à tenir le coup ou Saphir le fera-t-il tomber de haut? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ça va, tu suis? Ouais, ça va. Et toi? J'y arrive. On peut dire ça comme ça. T'inquiète, je me suis. Ouh. Je te rejoins là-bas. Seigneur. Bon courage. Ouh. Wow. Est-ce que tu aimes bien t'envoyer en l'air avec moi? Dans quel sens? Tu aimes être en l'air avec moi? Ouais, ça me plaît. Ça te plaît? Ouais. Qu'est-ce que je préférais monter un peu plus haut. En boîte, vous êtes plutôt du style chaudasse ou plutôt introverti? Quand je bois, je suis chaude. D'accord. Extraverti. Montre-nous un peu ce que tu fais quand t'es chaude. Non, mais... Un petit aperçu, on ne demande pas de faire un strip, mais au moins un petit aperçu, quoi. Vas-y. Ça s'anime. À mon tour. En allumé 1, on t'en allumé 3. Allez, Chérie. Tu joues la flûte aussi, chérie. Non, bonne idée. Papa, vous allez pas le voir. Donc autant ça éclate entre nous, quoi. L'alchimie semble opérer dans les arbres. Pour le baiser, Saphir va-t-il dire jamais? J'ai envie de te ramasser à la petite cuillère. Je sauterais même pas. Tu me rejoindrais pas? Mais si, mais sur toi, je saute. Bah vas-y, alors je peux y aller, je me jette. Non, on est juste. Tu serais prêt à quoi, toi, pour me séduire, franchement? Si tu te jettes, je me jette. Non, je plaisante. L'hypocrisie de courtoisie, ça m'a laps de temps, mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Hein. Et dans le bus, ça parle petite culotte. Et vous mettez quoi comme style de caleçon? Boxer, montre. Je suis le style, ça va. Tu vas enlever le pantalon qu'on voit bien. Bah, j'ai une ceinture qui est pas belle. Eh ben justement, c'est l'occasion de l'enlever. Mets-toi la montre, tiens, en premier. Mais tout à fait, il y a pas de souci. Tu vas pouvoir. Mais il est noir, mais je vais te montrer un petit article qu'il y a dessus. S, comme ça. On va voir ça. Oh, à fleur, il nous revient tout droit d'Hawaï. Sexe. C'est pas magnifique, franchement. Ouais. J'aime voyager ou pas? On finira en bord de mer, c'est ça. J'aime voyager, oui, j'aime voyager. Tu voyages, ça? Bah, dès que je peux, quand je peux, ouais. Mais c'est dur de voyager. C'est dur de voyager. Ouais, bien sûr. J'aime bien si t'embrasses bien, tu vois. Hein? J'aime bien si tu embrasses bien. Ouais. Ça va, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. J'en dirais pas autant pour toi. Tu te débrouilles très bien même. Merci. Ce baiser réussi va-t-il entraîner un second rendez-vous? Bon, vous mettez quoi comme style de musique? J'aime bien c'est Alizé et tout. Ah ouais? Laquelle? Moi, Lolita. Ça va pas. Tiens, attends, tu sais quoi? J'ai des perruques qui sont. C'est pas vrai. Si. Tiens. Ah, trop bon. C'est bien. Moi, Lolita, je vais montrer mon petit chat.
soir, allez, disco. Alors, minou, minou, miaou. Ton beau petit pompon. Embrasse pompon, chérie. Ah oui. Oh. Ah, mais en plus, c'est plus de plus. C'est une dame, alors, c'est ça. Quelle voix les autres. Tout près, se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. À Lolita. Love. Et pourquoi c'est love? Bon bah là je suis pas que ça t'a plu ce que je t'ai proposé. Ouais c'était sympa. Et donc bah moi aussi ça m'a plu. Mm-hmm. Mais donc avant de faire le grand saut, j'aimerais savoir comment tu sautes. Donc je te réserve une dernière surprise. Attends. Deux. Non, mais rapproche tes deux pieds. Non mais là t'es dessus en fait, donc tu vois. Tu veux que je saute maintenant? Ça va? Tu vas me tuer. Ça va, tu t'en sors? Ouais, ça va. Maintenant, là, je vais devoir sauter. Là. Tu veux me voir sauter? Voilà, viens. Voilà. Tu vas sauter. Encore un peu. Bon, bah, Jamaï, écoute, là, j'ai passé 64 minutes avec toi. Mm-hmm. Tu me plais bien. Donc, t'as gagné 64 euros. Ou tu acceptes un autre rendez-vous, ou tu repars avec 64 euros. J'ai toutes mes chances de mon côté, les gars. Espoir quand tu retiens. Là, c'est ton bras, c'est bien. Ouais. Je sais pas, j'ai passé un bon moment avec toi, c'est agréable. Mmh. Et je pense que. On va essayer de voir si on peut avancer comme tu me demandais. Ok. Bon, c'est parfait. Ouais. T'inquiète-toi. Dommage pour toi, sa fille, t'es passé à côté des belles boules. Mais je vais finir par me casser la gueule, c'est tout ce que je vais gagner. Salut, je m'appelle Bastia, j'ai 21 ans. Je suis mannequin et comme vous pouvez le voir, je suis très sportif.